Qu'est-ce que Marseille peut apporter au débat public et au débat national ? À cette interrogation, une dizaine d'intellectuels made in PACA vont tenter de répondre. Comment ? Avec des notes ou, si vous préférez, des exposés régulièrement publiés sur Internet. Parfois un intellectuel, parfois, peut avoir une bonne idée. Au menu des réflexions de ce nouveau think tank, l'homoparentalité, la loi Paris-Lyon-Marseille ou encore les primaires pour les municipales. Les données sont ouvertes, elles seront diffusées largement. N'importe qui, j'allais dire, pourrait s'en emparer. La droite aussi. La couleur est posée, pour autant, les membres fondateurs proclament leur indépendance. Mais ce n'est pas nous qui sommes au service de qui que ce soit. Il y a des politiques qui nous accueillent favorablement, c'est vrai. Thomas Hollande, il fut l'animateur de la Ségosphère en 2007. Aujourd'hui, il partage son temps entre son activité d'avocat pour le Conseil d'État et la campagne de son père. Où je vais avoir le sentiment d'être libre sur ce que je vais pouvoir exprimer comme idée, sans avoir la peur d'être instrumentalisé ou d'avoir une ligne qui ne soit pas conforme à celle du Parti Socialiste. À ce propos, Patrick Mennucci, l'homme fort du PS en PACA, avance ses pions dans le Nouvel Observateur. Il se déclare disposé à accueillir Thomas Hollande sur sa liste des municipales 2014. Ça m'embarrasse. Enfin, c'est pas grave, dans le sens où, du coup, vous posez la question. Donc, du coup, ça se raccroche à ensuite une démarche politicienne, alors que moi, j'avais envie d'être ici que dans une démarche purement de réflexion. Bon, le premier article de Think Tank Different, littéralement réservoir d'idées différents, sera consacré au Front National dans le Sud-Est, article signé Virginie Martin et Thomas Hollande.